Leçon, c'est bien un grand mot, mais pour vous orienter, c'est un souhait. Apprenez dès à présent à construire dans la solidarité, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites. Toujours un mot pour être solidaire, pour être ce spirit dans l'action, pour être cet élément prometteur que nous voulons à nos côtés. Quand vous rencontrez un frère, une sœur, un parent, soyez dans cette empathie continuelle, soyez dans l'accueil, la bienveillance continuelle. Je sais que vous connaissez ces erreurs, ces défauts, mais que vous importe, ce n'est pas le travail qui vous revient. À vous, la bénédiction continuelle, à vous, cet élan proche que vous avez en votre cœur et que vous voulez distribuer. Partagez avec nous ces moments de rencontre entre vous pour semer la paix, pour égayer les cœurs, pour monter cette espérance en laquelle vous croyez à l'éternelle vie, à l'action solidaire que nous avons avec vous, partagée dans des mots simples, sans forcément divulguer votre foi, votre doctrine qui vibre sincèrement au fond de vous. Mais trouvez ces petits mots qui aident, qui aiment, qui attendrissent l'autre, qui l'aident à se grandir, à se dépasser, à aimer autrement, à croire en l'avenir, à croire en cette possibilité de dépasser ses difficultés. Et de trouver l'espérance. C'est à ça votre tâche. C'est cela votre devoir. C'est cela votre action. Nous sommes à vos côtés. Il est certain que pour l'instant, les masses fluidiques n'apportent pas les preuves encore nécessaires de notre action toute puissance. Mais nous attendons, bien sûr, cette action de votre part, cette volonté de partager, d'aimer, d'attendrir l'autre et de consoler. Allez, ouvriers, allez à l'action. Montrez-nous que pour une part, vous voulez contribuer à cet avenir rénovateur et que nous puissions compter sur vous dans cette action de vous renouveler, d'aimer et de vous grandir. Je suis vos pas avec fierté, sachant que l'heure de la rénovation sonne pour vous et que cet appel a des consonances sincères en vous. Merci de ce magnifique message.
sentez cette force qui descend. Véronique, tu vas continuer le travail. Sers-toi de ce souffle. On peut grandir dans la lumière. Détacher. Aller à la rencontre de ses compagnons. Remplis-toi de ce souffle. Il va chercher ces mots d'amour. On vous le répétera jamais assez. Vous êtes nos frères bien-aimés, nos sœurs que nous attendions. Vous êtes là pour apprendre et divulguer l'enseignement. Restez simple et sobre dans vos propos. Laissez parler votre cœur. Laissez les mots d'amour aller à l'encontre. Rencontre des frères. Mes amis, vos cœurs s'ouvrent. Votre âme s'éveille. Vos pensées tournées vers nous se grandissent. Soyez encore à l'écoute. Soyez encore présent dans ce travail qui vous est demandé. Soyez encore courageux devant la tâche qui vous reste à accomplir.
Des jours merveilleux s'annoncent. Et vous aurez cette chance de travailler à nos côtés. Continuez l'effort. Continuez de vous grandir. Continuez d'apprendre.